Alors, regardons ensemble cette radiothorax, qui est tout à fait normale. Je laisse ici juste comme référence. En revanche, cette radio montre une opacité basale droite homogène, et cette radio aussi, celle-là aussi, et encore une fois, celle-là aussi. Pourtant, ce sont là quatre pathologies différentes. Donc, comment faire la différence? Alors, pour la pleurésie, elle cache la silhouette du diaphragme en position debout, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voir clairement les bords du diaphragme. Son bord supérieur est concave vers le haut, on parle de la ligne de Damoiseau, et sa partie supérieure, comme vous le voyez, est moins dense. Donc ça, c'est l'aspect classique de la pleurésie quand elle est libre dans la cavité pleurale. Mais on peut avoir une pleurésie au niveau de la scissure, et dans ce cas, elle peut avoir un bord net, comme tous les autres diagnostics qu'on verra dans cette vidéo, soit la pneumonie, atélectasie et infarctus pulmonaire. À part ça, comme la pleurésie c'est du liquide dans la cavité pleurale, on peut faire une autre radiothorax, cette fois avec le patient allongé, et le liquide va naturellement changer de forme. Mais si on ne peut pas faire une autre radio en position couchée, on peut faire une échographie thoracique pour s'assurer que c'est bien une collection liquidienne et donc une pleurésie. Et on peut aussi faire une ponction pleurale via une aiguille qui va ramener le liquide et ainsi confirmer que c'est une pleurésie et pas autre chose. Car ça peut être une pneumonie. La pneumonie, c'est une infection du poumon. Mais là, la différence avec la pleurésie, c'est qu'il peut y avoir un bronchogramme aérien. Car dans la pneumonie, les alvéoles sont remplies de liquide, mais les bronches ne le sont pas. Et donc, on peut voir l'air dans les bronches dans le cas de la pneumonie. Et on appelle ça le bronchogramme aérien. Si on le voit, on saura que ce n'est pas une pleurésie puisque celle-ci cache tout le poumon, y compris les petites bronches. Donc, si on ne le voit pas, ça peut être une pleurésie comme ça peut être une pneumonie ou autre chose. Donc, c'est surtout quand on le voit que ça oriente vers la pneumonie. À part la pleurésie et la pneumonie, cet aspect peut aussi être celui d'une atélectasie, c'est-à-dire que le lobe pulmonaire, ou carrément tout le poumon, ne reçoit pas d'air. Ça arrive si la branche lobaire est obstruée, ce qui donne alors l'atélectasie lobaire, ou bien si la branche principale est obstruée, et dans ce cas, ça donne l'atélectasie de tout le poumon. Tout le poumon ne reçoit pas d'air. Radiologiquement, étant donné que cette partie du poumon ne contient pas d'air, son volume sera plus petit et donc la coupole diaphragmatique du même côté sera plus élevée. On parle d'une perte de volume pulmonaire. Si c'est un lobe qui est atélectasié, on verra aussi un bord net, puisque c'est là que se termine le lobe, au niveau de la scissure. Mais comme je l'ai déjà dit, toutes les autres pathologies présentées dans cette vidéo peuvent avoir ce bord net. Et au niveau de la radio même, on peut parfois voir la cause de cette obstruction qui est responsable de l'atélectasie. Si c'est un cancer pulmonaire par exemple, on verra que la scissure n'a pas sa forme habituelle, mais qu'elle ressemble plutôt à un S inversé. C'est le signe du S de Golden, Golden étant le médecin qui a fait cette remarque pertinente. Quoi qu'il en soit, il faut voir la cause de cette obstruction. Ça peut être un cancer ou un corps étranger par exemple, et donc on peut faire une bronchoscopie pour voir cet obstacle et éventuellement l'éliminer. Et enfin, toujours dans le cadre des opacités homogènes pouvant avoir un bord net, il y a l'infarctus pulmonaire. Et là, il faut y penser devant une opacité triangulaire à sommet central et base périphérique, car ça suit la distribution vasculaire qui se bifurque au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. Bien sûr, cet infarctus, c'est la mort des cellules pulmonaires, et sa cause, c'est une obstruction vasculaire. C'est souvent un thrombus qui s'est formé dans une veine profonde et qui a migré jusqu'à l'artère pulmonaire et a obstrué une de ses divisions. Le Damoiseau est partie supérieure moins dense et pas de bronchogramme, c'est la pleurésie. Bronchogramme aérien et pas de perte de volume, c'est la pneumonie. Opacité triangulaire à base périphérique, c'est l'infarctus suite à une embolie pulmonaire. Perte de volume et S de Golden, c'est l'atélectasie secondaire à un cancer pulmonaire. Bien sûr, la clinique aide beaucoup à orienter, mais j'ai fait exprès de ne pas en parler pour se concentrer plus sur ce que peut nous apporter la radiothorax. Et bien sûr, il y a toujours besoin de confirmation. Pour la pneumonie, c'est l'amélioration clinique et radiologique suite aux antibiotiques. Pour l'atélectasie, on peut faire la bronchoscopie pour voir l'obstacle et l'enlever.
Pour l'infarctus, on peut faire une angio-TBM pour voir les vaisseaux pulmonaires et localiser celui qui est obstrué. Et pour la pleurésie, on peut faire une deuxième radio avec le patient sur le côté ou une échographie thoracique qui va montrer que c'est bien du liquide ou une ponction pleurale pour voir si ça ramène du liquide. Ce qui confirme alors que c'est une pleurésie.